to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel. What's up, la gang? We can all end if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. Bon jeudi, j'espère que ça va bien. Là, il est à peu près 8h20, 8h10. J'ai été super productif ce matin, je me suis réveillé vers 7h. J'ai tout pacté mon stock pour pouvoir partir à Sherb ce soir. Parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, mon Dieu, j'ai l'air de parler ce matin, c'est l'Halloween. Ben, pas live, là, on est le 28 octobre. Je pense, c'est le 28 ou 27? On est le 27 octobre, mais genre, c'est comme le week-end de l'Halloween. Fait que j'ai beaucoup de choses pour l'Halloween. J'ai de quoi ce soir, vendredi et samedi soir. Fait que je me suis dit que j'allais vous amener. Mais c'est ça, là, je suis à Montréal, comme vous le remarquez. Puis j'ai tout préparé mon stock. Fait que j'ai comme mon sac ici avec genre de la bouffe que j'amène. J'ai tout mon linge sale. Ça, c'est des poubelles qu'il faut que j'aille porter. Fait que c'est pas mal ça. Absolument, je travaille à 10h, mais là, je vais commencer plus tôt. Aujourd'hui, je vais commencer vers 8h30 pour pouvoir finir vers 3h30. Parce que il y a tellement de trafic là. Genre, le tunnel à Montréal, il est rendu juste avec une voie au lieu de trois. Puis déjà, que c'était dans le gros trafic, ça va me prendre tellement de temps. Fait que j'ai demandé à Chloé puis Danny si jamais je pouvais passer plus tôt. Puis ils m'ont dit oui. Fait que en tout cas, je vous emmène avec moi dans mon petit week-end de Halloween. Là, je vais finir, je vais commencer à répondre à des courriels tout de suite. Puis, ben, c'est pas mal ça. En direction du travail, puis il fait full beau aujourd'hui, full ensoleillé. Je sais pas si ça va être comme ça aussi à Sherbrooke, parce que sortir déguisé à l'Halloween, quand il pleut, c'est moins le vibe, tu sais. Hello! Bon, fait que là, je suis en direction de Sherbrooke. J'ai terminé ma journée de travail. Comme vous avez dit ce matin, j'ai fini plus tôt parce que j'ai commencé plus tôt. Là, honnêtement, ça a été vraiment pas super. Le trafic dans le tunnel un petit peu, mais vraiment pas si mal. Je pense que c'est le fait que j'ai quitté comme plus tôt aussi. Ça a fait en sorte que, genre, il y avait moins de trafic. C'était pas l'heure de pointe à 5h. Fait que voilà, là, je check, puis il y a un peu de trafic devant moi, mais au moins je roule. Fait que j'arrive à peu près 1h30. Les gens m'arrivent à peu près vers 6h au pre-drink chez moi. On dirait que je me sens comme l'été, genre, puis que je fais genre des pre-drinks parce que vous savez que les pre-drinks, ben, ça a été chez moi tout l'été, chez moi puis Marie, puis je sais pas, je trouve que c'est le fun, j'aime ça que les gens c'est chez moi, j'étais un feu du ménage, fait que des fois quand j'ai plein de canettes partout puis c'est un peu le bordel, ça me crée de l'angoisse, mais j'aime ça, puis je sais pas, j'aime bien ça, puis on dirait que là genre, avec l'arrivée de l'école, là moi j'étais en stage et tout, on dirait qu'on l'a moins vu, là. Ben, on a moins fait de pre-drink depuis genre la fin de l'été, mais là je suis content d'en avoir un, fait qu'on va y aller quand même tôt au bar, je pense. Je vais aussi faire un TikTok ce soir de transition, genre avec nous qui genre costumé, slash pas costumé. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, bref, à tantôt, les amis. Le dernier sac, le dernier. Bon, mais regardez, les filles, sont arrivées. Hello! Hello! Joyeux Halloween, tout le monde! Happy Halloween! Fait que là, je suis avec Mach, ici, Marie, Mère, Ju. Fait que là, on va bientôt se préparer pour l'Halloween. On sort où, les girlies? La tuque! On s'en prête à boire parce qu'on a 7 avant pour le bar à jeun. On prend faire un shot pour commencer? Yeah, ben oui, pour se réchauffer. Ok, moi je pense ça. Mais il manque aussi. Je prends un shot de vodka. Il manque un shot là. On est 5 matchs. Tu m'avais-tu oublié? Ouais. Mais y'en a-tu toi qui la belle au vodka? Non. Non, ah, ben, je vais pas mourir. Ah, toi tu prends la vodka? Peut-être. Ah ouais, ben c'est fort. Oui, c'est moi je veux ça. Ouais, hein. Comme ça, je l'ai eu. C'est les amis au Chamama chez le Chamama qui m'a acheté. C'est de la marito délicieuse. Fait que. You ready? Ça sent quoi? Les crises de pomme. Joyeux Halloween, les girlies. Joyeux Halloween! Bon, ben c'est parti. Allô, Flag! Hey, Marie d'arrivée! Yeah! Pourquoi y a tout ça? Non, c'est pas ça. T'es-tu déguisé en sœur cochonne? Exactement. La gang, regardez mes amis comment sont belles et chaudes. Moi, honnêtement, j'ai fucking honte de mon costume. Je me déguise en Mario Bros. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais on dirait que j'ai 10 ans. Ah non, pour vrai, là, les filles, on dirait que j'ai 10 ans. Oh my god. Ouais, c'est pas ta meilleure. Non, c'est vraiment pas ma meilleure. Ça m'a coûté 50$ pour. Mais non, c'est pas super. She's a beast. Je pense que quand tu vas avoir tout le costume, ça colle. Non, c'est pas super. Avec des gants, comme ça ici pour Mario. Mais les vrais gants de Mario coûtaient 30$. Fait que je l'ai pris à 7$. C'est pas super. C'est pas tant pire, finalement. Non, c'est pas super. Pis c'est parce que j'ai pas de t-shirt rouge. Je vais vous montrer mes t-shirts rouges que j'ai en option. Un comme ça, vous me direz ce que je mets. Ça avec un logo. Mais c'est pas si pire. Là. Genre, ça fait un peu le jeu, genre. T'sais, genre Mario, genre les jeux. Ah, c'est pas le home. Non, soit ça, ou lui de mon ancien job, la gang. Home Hardware, comme c'est ici, avec le logo. Waouh! Wow! Gorgeous!
Regardez, oui, comment c'est beau! C'est déguisé en quoi? En nonne? En nonne. Sexy. Sexy. Pas celle qui va à l'église, là. Non. Fait qu'après ça, c'est la nonne pis t'as mini. Pis t'as moi qui a l'air d'avoir 10 ans. Vous, c'est déguisé en quoi, les girlies? Catwoman. Moi, je vais le montrer à la fin. On va le montrer à la fin. Ok. Ben, M, c'est. On verra un zombie, mais c'est pas un zombie, elle aura pas les cornes. Pis on l'a pas montré. En chaperonne, elle est très, très, très sexy. Ouais, j'ai même pas mis mes talons. Ouais. A few inches later. On est mal à gagner mon look, là, de Mario Bros, là. Je me suis vraiment pas forcé pis je le regrette un peu. Je me trouve lette, là. Regardez ça. On dirait pas Mario Bros, là. Ça marche-tu? Mais tu peux tirer, là. Moi, je suis pas coincé, là. Pis. C'est quand même beau. Pas super. C'est pas super, pour vrai. Ah ouais, ça paraît moins. C'est lette. Bon, fait que voilà mon look, la gang. C'est ça mon look final. Ah, oui, oui. Est-ce qu'on dirait que j'ai 10 ans? Mais peut-être 12. T'as pas l'air tant mieux, mais comme c'est pas l'air. Hey, non, j'ai l'air mineur. Hello, bon vendredi, j'ai juste fermé la porte. J'espère que ça va bien. Il est à peu près 9h20. Là, je me suis réveillé à 8h parce qu'en fait, le gars, en tout cas des immeubles ici, vient changer la tank à rouge en route, puis il m'a appelé d'ailleurs. Puis il m'a dit qu'il venait entre 8h et midi. Je suis comme, ok. Fait que voilà, j'ai pas beaucoup dormi. En fait, je me suis couché vers à peu près comme 2h30, 3h, 2h30. Je me suis réveillé à 8h. Fait que pas super. En tout cas, je me sens quand même bien ce matin. J'ai pas bu, ben j'ai quand même bu beaucoup, je pense, ici. Mais là-bas au bord, je pense que ça m'a rien coûté. Là. Donc voilà, hier c'était une belle soirée. Je trouve que les gens étaient pas tant déguisés. Honnêtement, j'ai été fucking déçu, on dirait. Puis ce soir, ce que j'ai, ben là, faut que je travaille en fait toute la journée. Vu que je fais du télétravail tout le vendredi, ben tous les vendredis. Puis sinon, ce soir, j'ai un événement à Montréal. Fait que je retourne à Montréal avec mes amis pour les jeux de la com. Je me sais pas trop si je vous l'ai dit, mais voilà, c'est un événement où est-ce qu'il faut tout se déguiser, toutes les délégations en Harry Potter. Puis moi, je me déguise, ben en fait, pas moi, mais genre, nous, la Sherbrooke, on se déguise en vif d'or. Fait que ça va être bien drôle. Là, moi, je commence à travailler tout de suite, je pense, parce que j'ai comme rien à faire. Fait que je commence à travailler tout de suite. On va peut-être aller dans un café, moi, puis Marie. On s'en va dans un café, la gang, parce que les gens de la tête à eau chaude sont venus. Puis honnêtement, sont tellement malaisants. Fait que c'est ça. On était en train, moi, je suis en train tout bonnement de travailler. Puis là, les gens sont arrivés pour la tête à eau chaude. Mais tu sais, comme, pff, on aime pas ça, là. C'est malaisant. Genre, avoue, c'était malaisant, là. Par exemple, ils parlaient fort, là. Fort, parce que mettons, moi, je dormais encore un peu. Puis là, tu sais, dans le fond, ces gens-là, tu sais, ils sont super fins, je suis sûre. Mais comme, je vous donne un exemple, OK? La hotte fonctionne plus depuis une couple de mois, là. Ouais. Puis je doute d'appeler parce que ça me tente mais pas. Mais ça nous gêne. Puis parce que ça nous gêne, on n'est pas à l'aise. Fait que quand que les gars de la tête à eau chaude viennent, on n'est pas à l'aise là. On est pas en train de. Mais d'habitude, le petit monsieur qui vient, il est full gentil, oui. Genre. Mais là, eux, ils étaient. Genre, ils parlaient tellement fort là. Ils ont coupé notre eau, fait que là, on pouvait pas faire de café, on pouvait pas saver les dents. On pouvait pas aller aux toilettes. Ça va vraiment. Tu sais, vous savez, ça nous arrive ben, souvent. La deuxième fois, ça nous arrive des pics d'eau. Fait que là, on s'en va travailler dans un café. There is a life I lead in the city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Bon ben on vient de quitter le Faro, on retourne à l'appart, j'ai encore du travail à faire. Mais voilà, c'était bien le fun, j'adore venir dans les petits coffee shops. Fait que le Faro il est genre juste là. Là on est sur la rue Wellington pour ceux qui viennent pas de Sherbrooke, le comme hôtel de ville. Ça c'est la rue principale. Hello, bon fait que là je suis revenu à l'appart, c'est bien le fun au petit coffee shop. J'aime tellement ça là, aller travailler dans un petit café. Puis surtout le Faro là à Sherbrooke, c'est vraiment mon café préféré là. Si jamais vous êtes là, c'est sûr que vous le connaissez. Mais sinon si vous l'avez vu, c'est tellement beau. Puis on dirait que j'aimerais peut-être faire avoir un coffee shop plus tard. Je trouve que ça a l'air le fun et tout. On dirait que je voudrais peut-être pas que ça soit c'est genre ma main job, mais comme un petit sideline. Je sais que ça demande beaucoup de temps, mais tu sais, comme, je sais pas, en tout cas, c'est comme un projet que j'aimerais beaucoup avoir un café. Puis si j'avais comme à choisir de quoi dans la restauration, c'est sûr que ça serait un petit café. Je trouve ça tellement le fun. Fait que c'est ça, là. Je continue à travailler. Il me reste encore une heure. Faut que je modifie des mises à kit pour des influenceurs. Hello, gang. Bon, fait que là, je me suis réveillé d'une sieste. J'ai dormi à peu près une heure parce que j'étais vraiment brûlé. Puis vu que je monte à Montréal, comme je vous ai dit, puis que je vais boire et tout, je vais comme faire le party ce soir, ben ça me tentait pas d'être trop dead. Fait que j'ai fait une petite sieste d'une heure. J'ai pas vraiment dormi. Je pense, mais ça m'a fait du bien. Fait que là, je porte mon chandail. Je vous ai jamais montré que j'ai à ma fête de la part de mes amis. Ils m'ont fait un chandail avec Théo dessus. Regardez ça, comment c'est beau. J'ai un chandail avec Théo dessus. Genre, je capote. Il y a juste là mon petit chien avec une photo de moi. C'est drôle parce que, genre, je suis comme sur mon chandail. Et comme ils savent à quel point je tripe sur mon chien. Fait que voilà, c'est l'amour de ma vie. Je trouve ça vraiment cute. Regardez ça. En tout cas, bref. C'est pas assez gros ça. J'ai mis tellement de vodka, la gang. Oh là 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 là. Je pense qu'il aurait fallu t'en couper, genre. Hi, people! On est arrivé à l'appart à Kev.
She's bold. The devil. Checkez comment c'est beau. Elle est or. Nous sommes vives d'or. Kev, 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 Kev. Hello. Bon, fait que je me sais plus trop ce que les filles ont dit puisque j'étais aux toilettes. Est-ce que vous vous souvenez que Sandrine allait dire que ceux-là qui avaient des ailes dorées, il y avait un shot? Moi, j'ai pas oublié, là. Ouais, mais ça, ces ailes-là, faut qu'on les paye. Faut qu'on les colle. Comme un. On les colle avec un élastique. Non, on a acheté ça. Ah, c'est gros pour mettre dans tes deux doigts. Check, on a acheté ça. Ben, en fait, j'ai amené ça pour pas le coller. Mr. Wild Wild. Ok, Paul, on est en route vers le bar. Hello, les girlies. On veut-tu trouver le bar? Voldemort, il est très beau, là. Ok, y'a le bar. Oh mon dieu, ça, c'est-tu des jeux de la com? Mais, est-ce que quelqu'un a checké les GPS? J'ai juste à dire qu'on est des vives d'or, fait que nous, on gagne l'or au rire. Hello gang, bon, j'espère que ça va bien. Je vous ai pas parlé encore aujourd'hui. Là, on est le lendemain, honnêtement, c'était tellement une belle soirée hier. C'est le deuxième party des jeux de la com, ils appellent ça les prix-jeux. Puis honnêtement, c'était vraiment, 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 vraiment le fun. Là, c'est ça, j'ai un autre party d'Halloween, comme je vous ai dit. Ça va vraiment être un vlog de party, hein, on va s'entendre. Fait que là, je couche chez mes parents, ça coûte quoi que le party. Fait que j'ai fait mes bagages et tout. Je vais partir tout de suite, là, il est à peu près 4h, je pense, là. La journée, elle a tellement passé vite. Je vais amener mon linge pour demain et mon ordi pour travailler aussi un petit peu. Puis, ben, c'est pas mal ça. Fait que sur ça, on va quitter à l'instant, sure, puis on va aller à quatre. Bon, qui dit party? C'est officiellement alcool, j'ai pas d'alcool, fait que j'en achète. Fait que j'ai comme pas trop quoi acheter honnêtement là, genre on dirait que je suis pas tendance de boire. Je pense que rendu au party je vais avoir du fun. Au moins je me sens pas trop fatigué genre. Hello, je suis de retour dans la salle de bain chez mes parents. Fait que là, je vais aller me laver puis je vais partir aller au party. Dans le fond, j'ai comme un pre-drink chez des amis avant. Et après, on va aller au bar. C'est genre à Aquasco pour ceux qui viennent de là, vous le savez. Mais genre, c'est genre un petit bar là. Fait que je sais même pas si je vais filmer là-bas. Mais là, j'ai mon costume d'Halloween. Fait que c'est en ça que je me déguise ce soir, comme je vous ai dit là. Là, je m'en fous de me déguiser comme ça. Fait que j'ai ça. J'ai genre les bretelles que je vais mettre. Je pense que j'ai regardé les jeans que j'ai live là, ici. Vu qu'ils sont comme bleus puis Mario Bros. Il y avait comme une salopette bleue. Genre avec mes petits gants puis avec un t-shirt rouge vraiment basic. Fait que sur ça, je m'en vais me laver. Je suis déjà un petit peu dans la minute, c'est ma mère qui va aller me porter. Puis après ça, ben on va commencer à faire le party. Tadam la gang, voici mon look final. J'ai plus souvent un chauffeur de train, je trouve, que de Mario Bros. Mais ça va être ça, le chapeau, le t-shirt, ça, les gants. Mais ça va être mon costume. C'est mon dernier look d'Halloween 2022. Alors profitez-en la gang. Sur ça, je m'en vais au party. J'amènerai pas ma cam. Si je vlog, ça va être avec mon sel. Peut-être que je vais pas vlogger non plus. Mais sur ça, on part. Puis Théo, il aime pas, ben ça me voit dans. Il arrête pas de me gueuler après parce que il me reconnaît pas. Hello gang, on est lundi matin, je suis présentement à Montréal, je suis parti ce matin de Chabot pour me rendre à Montréal, puis ça a été quand même long, même parce qu'ils ont comme fermé le tunnel comme je vous ai parlé, fait que comme pas toutes les voies, mais en tout cas ça m'a pris peut-être 2h30, je suis passé à 6h ce matin, mais c'est pas mal ça, j'ai pas vlogué hier, tout simplement parce que j'étais quand même hangover, pour être honnête avec vous, ça a été vraiment une grosse fin de semaine, j'ai vraiment beaucoup sorti, tu sais, je suis sorti jeudi, vendredi, samedi, puis je vous avouerai que là je suis comme vraiment brûlé, puis je sais pas, on dirait que genre je suis content que l'Halloween soit comme passé. Fait qu'on dirait qu'à chaque fois que c'est l'Halloween, après ça, c'est tout le temps un moment de comme, je sors moins. Je dis ça, mais je vais sûrement sortir la semaine prochaine une fois, mais genre pas 3 soirs dessus. Sur ça, la gang, moi, je vais venir mettre fin au vlog ici parce que, ben, je veux faire le montage, je veux le passer le plus rapidement possible et tout. Fait que nous, on va se retrouver super bientôt dans un prochain vlog sur YouTube. Sinon, je veux aussi faire le vlogmas, mais du genre TikTok pendant tout le mois de novembre. Fait que si jamais vous voulez aller me suivre là-dessus puis voir plus de contenu vlog, je le fais sur TikTok. Fait que voilà. J'ai pas encore commencé, j'espère que je vais réussir. On se reverra. Fait que merci beaucoup d'être présent, d'avoir écouté jusqu'à la fin, puis on se retrouve super bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. We can be friends if you wanna. We can just talk if you wanna. We can all end if you wanna. Hey, tell me what you wanna do.